spectateur, 5 de pique, célèbre le peintre Rachid Werbe. L'artiste conjugue l'abstraction à l'infini. Il l'associe à des éléments réalistes définis au siècle précédent par les impressionnistes. Ces derniers se veulent avant tout les peintres du concret et du vivant. Né en 17 et décédé en 93 à Beyrouth, Rachid Werbe fréquente durant 4 ans l'atelier de Habib Esrour, à qui nous avions consacré un épisode. Diplômé du Collège des Beaux-Arts du Caire, Rachid Werbe parcourt l'Europe. Il préside l'Association des artistes libanais en 62, dont il est l'un des fondateurs. Il enseigne dans diverses universités. Il expose au Liban et en Europe. Il est notamment honoré du Prix national de la peinture en 71 et du Prix Saïd Aal en 72. Peintre de l'homme et de la nature, il associe l'abstraction à des éléments réalistes traités dans la mouvance de l'impressionnisme et du fauvisme. Il marie les courants les uns aux autres et il enrichit la peinture libanaise de l'époque. Le peintre joue avec les formes. Il reste, dans un premier temps, attaché à une certaine observation de la réalité. Petit à petit, il glisse vers une douce abstraction, modifiant la vision photographique de la réalité pour lui permettre d'être perçu dans sa puissance originelle. 5 de pique retient la vallée sacrée d'Anoubine. L'œuvre est exécutée par Rachid Werbe. Elle est extraite du livre « L'art au Liban, 1880-1975 ». L'ouvrage, réalisé par Nour Salem et Marie Tombe, rend hommage à l'art libanais. Le paysage dévoile un univers poétique, abstrait. L'espace flirte avec des jeux de lignes et de surfaces colorées où persistent de mystérieux signes. L'artiste part manifestement d'une observation du monde réel pour livrer cette œuvre. Sa formulation de l'expression chromatique s'observe d'une manière subtile et élégante, comparable à celle du peintre Paul Cézanne. La réalité figurative donne des indices d'une forte empreinte spirituelle. Elle dévoile une vallée creusée, enfuie dans les profondeurs rocheuses, au pied du plus haut sommet de la chaîne libanaise. Au lieu de refuge et de prière durant plus de 1000 ans, elle offre sur ses flancs et sur son lit des grottes. Des ermitages célèbres y ont pris racine. Il s'agit du refuge des moines de l'église maronite. Premier siège du patriarcat maronite au Liban, la vallée est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La crête circulaire supérieure présente une habitation isolée. Elle rappelle qu'Anoubine abrite aussi de petits villages. Les parois de la vallée accrochent une lumière dont la fonction évoque le paradis. À ses pieds, un bosquet de cèdres millénaires rappelle la riche végétation du site. Rachid Werbe ne se préoccupe pas des limites. Il trace ici un contour peu précis. Les frontières entre le ciel et la terre sont estompées en faveur d'une expression artistique intense. Cette œuvre s'enracine dans son terroir. Avec ce paysage typiquement libanais, le peintre contribue à l'éveil du sentiment national. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, dédiée à l'art, incarnation matérielle de la culture.